Au secours! Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Il faut que je trouve un endroit où me cacher. Oh! Qu'est-ce que c'est? Salut! Qu'est-ce que... Trop bizarre! Viens, essayons une autre porte. Viens jouer avec moi. Ah! J'ai horreur des clowns! Il reste encore une dernière porte. J'espère que c'est la bonne cette fois. Ah, c'est déjà mieux. Enfin en sécurité. Oh non! Au secours! Merci, au revoir. J'ai trop faim. Qu'est-ce que j'ai de bon aujourd'hui? Où est-ce que j'ai mis mon goûter? Ah, ça y est, je l'ai. Hein? C'est vide? Oh non, mais j'ai trop faim! Oh! Yeah, bonne prise! Et qu'est-ce que tu regardes, toi? C'est les bijoux qui brillent, c'est ça? Ou tout mon argent? Je n'ai jamais vu quelqu'un avec autant de bijoux. Hey! Toi, viens par là! Allez, approche! Moi? D'accord. Comment ça va? Bien, merci. Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Il ne peut rien m'arriver de toute façon. Où est-ce qu'on va? Viens, entre. Fais comme chez toi. Allez, viens. Tu vas voir, j'ai le truc pour la déco. Waouh! J'aime beaucoup ce que tu as fait de cet endroit. Oh, c'est trop mignon! C'est vraiment beau. Waouh, regarde ça. Attends de voir ça. Tada! Je t'en prie, assieds-toi. Pour de vrai? Bon, d'accord. Waouh, ce burger a l'air incroyable. Et ces frites ont l'air tellement bonnes. Elles sont excellentes. Allez, mange, tu dois être affamée. C'était délicieux. Merci beaucoup. Tiens, prends ça. Waouh, il est énorme. C'est mon jour de chance. Tu es trop gentil. Quel gentil SDF. Je crois que je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. C'est le genre de choses qui redonne foi en l'humanité. Donc, c'est une ligne sinueuse. Ok, je crois que j'ai compris. Oh, ma mine s'est cassée. Ah, je crois que j'ai un tas de crayons dans ma trousse. Enfin, c'est ce que je pensais. Oh non, je l'ai laissé dans mon casier. Je suis sûre qu'il est par là. Ah, enfin! Oups! Oh non, ce n'est pas vrai! Nananer! Bon, ça commence à bien faire. Oh! Hé, Gabi, je peux t'emprunter ton taille crayon, s'il te plaît? C'est ça que tu veux? Ouais, ouais, vas-y. Merci. Oh, c'est déjà fini? Oh oui, les cours sont finis! J'ai hâte d'être à la maison. C'est sympa ici. On se voit demain, bye! Salut! Oh non! Réactivité zéro! Oh, oh mais attends! Je pense que je peux me servir de ma bague! Ça pourrait marcher! Retire la pierre d'une de tes bagues, puis mets de la colle sur la bague. Place un taille-crayon par-dessus. Et attends que la colle durcisse. Et voilà, comme ça tu auras toujours un taille-crayon sur toi. Ça donne un style sympa et en plus c'est pratique. Cette fois-ci, je suis sûre de ne pas le perdre. Il faut simplement que je pense à mettre ma bague. J'aurais dû y penser avant. Ça déchire. Bien joué. Oh, Chris est tellement mignon. C'est le mec de mes rêves. On ferait un super couple. Chris? Après, on peut se retrouver chez moi pour la soirée si ça te dit. Qu'est-ce qu'il fait avec Essie? Il a affiché une photo d'elle dans son casier? Ah, il en est hors de question. Ah, les mecs. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver? Je crois qu'il est temps de donner une petite leçon à Essie. À toi de jouer, mon petit journal. Je compte sur toi. C'est parti. Ah, Essie, tout va bien. Et toc, c'est tout ce que tu mérites pour avoir osé parler à Chris. C'est trop bizarre. Il faut peut-être que je fasse quelque chose. Je suis sûre que tout ira bien. Ha! Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de Chris? Ça y est, je sais. Il est temps de changer de style. Ça devrait faire l'affaire. À toi de jouer, petit journal. J'adore l'odeur des billets neufs.
et leur couleur fait vraiment ressortir mes yeux. Oh non, j'ai un cheveu qui dépasse. Oh, qu'est-ce qu'il est narcissique. Je voudrais qu'il m'admire, moi, pas lui-même. Bon, essayons autre chose. Cette fois, je vais le rendre un peu plus intelligent. Oh, ça fonctionne. Salut, Luna. Achoum. Oh. De la morve, elle est toute gluante. C'est marrant. Non, ça ne va pas le faire. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, j'ai toujours aimé les sportifs. De toute façon, ça ne peut pas être pire que ça. Chris? Ouh! Yeah! Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Je retire ce que j'ai dit. Oh, qui a dit ça? Tu veux te battre? Non, là, ce n'est vraiment pas possible. Vite, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh non, mince! Mais oui, bien sûr, un cœur! Faites que ça marche! Chris? Oh! Salut, Luna! J'ai quelque chose pour toi. J'espère qu'elles vont te plaire. Waouh! Elles sont magnifiques! Elles sont loin d'être aussi belles que toi. Tu veux qu'on aille en cours ensemble? Au secours! Chris! Oh non, un courant d'air! J'adore Halloween! Je suis sûre que je vais gagner le prix du meilleur costume. J'espère juste que personne n'aura besoin d'aller aux toilettes. Parce qu'il ne reste plus qu'une feuille de PQ. Mais bon, ça en valait largement la peine. Oh non, Mindy arrive! Je ne suis pas encore prête! Il faut que je me cache! Où est-ce qu'elle est? Cette fois, je crois que tout est prêt pour la soirée. Les décorations sont accrochées, le buffet est servi. Je sens que ça va être génial. Je vais mettre les chips sur la table avant de tout manger. Ah ah oh non. Je t'ai bien eu, c'est moi. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'ai eu trop peur. Oh ça va, c'est Halloween. C'était juste une petite plaisanterie. C'est le but de la soirée, non? Ah, un éclair. Au secours. Mais qu'est-ce que tu fais? Désolée, j'ai eu un peu peur. Je déteste l'orage. Ça me fout les pétoches. Il faut que tu te détendes. Allez, respire à fond. Ça te fera du bien. Ok, je vais essayer. Tu vois, tout va bien se passer. T'as raison, je me sens déjà mieux. Non, c'est pas vrai. J'ai trop peur. Mindy, je sens que c'est la fin. J'en suis sûre. Arrête de faire ta drama queen, tu veux? Attends une seconde. Je cherche quelque chose qui pourrait t'aider. Ah ah, ça y est, j'ai trouvé. Je vais réutiliser ces rouleaux de papier toilette. Commence par appliquer de la colle sur l'une des extrémités du rouleau. N'hésite pas à laisser couler la colle le long du rouleau. Une fois que c'est sec, peins le rouleau en blanc. Voilà, comme ça. Ensuite, mets de la colle sur une bougie LED. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Puis, place ta bougie dans le rouleau. Et assure-toi qu'elle soit bien collée. Voilà, comme ça, on aura de la lumière quoi qu'il arrive. Plus besoin d'avoir peur. Mindy, t'es la meilleure. Waouh, c'est tellement beau. Et puis, ça a un petit côté rassurant en plus. C'est pas mal, hein? Et si on s'asseyait un peu? Tu te sens mieux? Bien sûr, j'ai ma meilleure amie. Pas mal. J'adore cette couleur de rouge à lèvres. Oh, salut Mindy. Oh, je suis super en retard. Tu n'as rien raté. Je vais sortir mes affaires. Oh non, cette texture n'est pas normale. Le bouchon de mon slime est parti. C'est mauvais, ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh oh, je n'aime pas ça du tout. Il y en a plein sur mon cahier. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah oui. Tout mon travail est foutu. Je ne peux plus rien tirer de ça. Ça va aller, ne pleure pas. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Ce gel pailleté me donne une idée. Oh, je sais. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Je vais remédier à ton problème facilement. D'abord, je vais découper la partie recouverte de slime. Je n'en ai plus besoin. Ensuite, je prends un sachet en plastique et je le replie sur lui-même. Je vais verser des paillettes dedans. Je vais en mettre de plein de couleurs et de styles différents. Il m'en faut vraiment beaucoup. Ensuite, je verse de la colle. Ça doit être de la colle transparente. Je vais aussi faire un trait de colle sur le bord extérieur en bas du sachet. Comme ça. Et maintenant, je ferme le sachet. Et je colle les deux bords. Pile ce que je voulais. Ensuite, je prends le cahier et j'ouvre la couverture. Je vais verser de la colle tout autour de la couverture intérieure. Je vais bien jusqu'au coin. Ça devrait suffire. Ensuite, je colle mon sachet pailleté dessus. J'appuie pour que ça tienne bien. Et j'attends que ça sèche. Ah, c'est sympa. Mindy va adorer. Oh là là, c'est pas vrai, c'est incroyable.
l'écriture est amusante. C'est le plus beau cahier du monde. Merci, Ashley. Je ne fais que mon devoir. J'espère pouvoir compter sur ton vote. Bien sûr. Et un nouveau vote pour Ashley. Oui, j'étais sûre que ça marcherait. Je dois être en tête, là. Je commence à perdre le contrôle. Il faut que je réagisse. Mais comment? Il y a un gros trou dans le pull de Sunny. C'est le moyen parfait de gagner des voix. Je le sens bien. Hé, hey, c'est à moi. Qu'est-ce que tu fais? Chut! Attends de voir. Je vais en faire un super carnet. Il faut juste que je prenne un peu de laine du pull de Sunny. Et maintenant, je laisse place à mon imagination. D'abord, je vais prendre de la laine et une règle. Je vais enrouler la laine autour de la règle, en serrant bien le fil. Je coupe ce qui dépasse. Et maintenant, je prends le cahier de Sunny. Je vais mettre la règle sur la tranche et je verse de la colle. Heureusement que je ne tremble pas. Ensuite, je la colle au carnet. Et je passe mes ciseaux le long de la règle pour couper la laine. Jusqu'ici, on est bien. Je vais refaire la même chose pour recouvrir toute la couverture. Ensuite, je lisse bien la laine et j'ajoute des fleurs. On dirait de l'herbe. En plus, c'est tout doux. Tiens, Sunny. Waouh, j'adore. Merci, Justin. Je savais que ça te plairait. C'est super relaxant. Un petit morceau de nature en classe. Où est-ce qu'il a trouvé la laine? Bon, on s'en moque. Oh, n'oublie pas de voter pour moi. Oui, bien sûr. Ça marche à tous les coups. Oh, oh. J'espère que Sunny n'aimait pas son pull. Bon, de quoi j'ai l'air? Oh, je ne peux pas m'empêcher d'admirer Justin. Il est tellement beau. Pourquoi est-ce que Gabby me fixe? Wow. Oh, eh bien, elle est bien cachée, celle-là. Ah, je te tiens. C'est une blague ou quoi? Mindy sent tellement bon. Ça a l'air bon. Je suis affamée. Mais il faut que je fasse attention à ma ligne. Je vais n'en faire qu'une bouchée. Hein? Un gros burger rien que pour moi. C'est trop bon. C'est la femme de mes rêves. Je pourrais manger ça tous les jours. C'est dégoûtant. Je préfère ne pas regarder. Oups, j'en ai partout. C'est gênant. Oh, mince, je n'ai plus de serviette. Comment est-ce que je vais faire? C'est à moi de jouer. Mindy! Tiens, je peux? Tu es tellement belle, comme toujours. Oh, sérieusement? Je n'y comprends rien. Mes cheveux sont magnifiques aujourd'hui. Tiens, c'est Justin. Salut, Justin! Ça y est, c'est notre moment! Comment tu vas, Justin? Justin? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu es belle! C'est trop injuste! Oh, salut! Salut, Gabby! Qu'il est chou! J'adore ce casque! Plus il y a de soda, mieux c'est! C'est parfait pour le super match! Regardez-moi ce bazar! Halte là! Quoi encore? Pas de boisson. C'est toujours la même chose. Mais le match, il va bientôt commencer. Allez, s'il vous plaît. Non, les règles sont les règles. Même si ces règles sont débiles. Oh, je sais. Peut-être que ceci vous fera changer d'avis. Ce sera notre secret. File de là. Je suis incorruptible. Puisque c'est comme ça. Très bien. Il faut que je trouve un plan. Je crois que j'ai trouvé. J'ai un vaporisateur vide. Je retire le bouchon, puis j'attrape mon soda. Je le verse dans la bouteille. Attention, il ne faut pas que j'en mette partout. Ensuite, je remets le bouchon et je colle une étiquette. C'est plutôt pas mal. Oh, ces gamins, ils n'ont aucun respect. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Moi? Je travaille ici. Regardez. Vraiment? C'est vrai que le badge est bien fait. Mais je ne vous ai jamais vu avant. C'est parce que je suis bien trop occupée à nettoyer. J'adore faire le ménage. J'ai même des gants. Ça n'a aucun sens. Vous voulez une preuve, hein? Très bien.
Très bien. C'est parti. Excusez-moi. C'est trop bizarre. Bonne rotation du poignet. Bonne maîtrise du chiffon microfibre. Mais est-ce que c'est propre? C'est immaculé. Je suis impressionnée. On n'est jamais trop prudent. Allez-y. C'est vrai? Je veux dire, merci. Ouf, c'était super stressant. Mais j'y suis arrivée et j'ai apporté quelque chose. C'est trop bon. Quelqu'un en veut? Du désinfectant? Les amis, c'est moi. C'est du soda. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Elle a oublié sa pelle. Ces petits jeunes n'apprennent jamais. Attendez une minute. Non, ce n'est pas possible. C'est génial. Merci. Vaporise-moi. Ça chatouille la langue. Ils ne sont quand même pas en train de boire du désinfectant. Je crois que je vais simplement refermer la porte. Le résultat de cette équation est évident. Je m'endors. C'est tellement ennuyeux. Je vais juste fermer un peu les yeux. Il faut que je trouve un truc à faire. Ah, je sais. J'ai exactement ce qu'il faut. Hé, Mindy! Quoi? Regarde. Je vais dessiner un visage sur mon doigt. Puis, je vais y coller un ballon. Salut, Mindy! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu es trop ridicule. Arrêtez de vous moquer de moi. Ce n'est pas fini. Je vais dessiner un autre visage sur ce doigt-là. Voilà les yeux. Et là, je vais dessiner une main. Ça va être super! Celui-ci va porter un masque. Il fait peur! Oups, il ne faut pas oublier les yeux! N'approchez pas les poulets! Au secours! Une équation donc! Hein? Où suis-je? Comment tu crois que ça va finir? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je vois! Le moment n'est pas approprié pour ce genre de bêtises. Arrêtez vos enfantillages et mettez-vous au travail. C'est bon, ça va. Waouh, il n'a vraiment aucun humour. Et donc, pourquoi cette équation est si importante? Waouh, c'est fantastique. Ce professeur est fabuleux. C'est nul. Il faut que je sorte d'ici. Les jeunes, les maths, c'est la vie. Il me faut plus de place. Où en étais-je? Ah oui. Cet homme est un génie. C'est tellement un intello. Incroyable. J'arrive pas à croire qu'on soit de la même famille. C'est facile. Enlevez l'exponentielle et la réponse est évidente. C'est bon. De toute façon, les maths, ça ne sert à rien. Hé, Einstein. Quoi? Il faut arrêter, les frais, là. Arrêtez ça, peu importe ce que vous faites. On s'en fiche. Il faut se détendre. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la vie. Qui veut étudier les jeux vidéo? Oh, ouais! Mais il faut qu'on étudie les maths! Tiens, prends ça! Ce n'est pas bien! Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Pardon! Non, les équations! Ce n'est pas possible! Ce cours vient de devenir très intéressant! C'est parti! Je préfère les maths! Ce n'est pas au programme! Ce n'est pas grave, c'est tellement amusant! Vous allez voir! Youhou! Ashley, tu es la meilleure! Oh, merci les filles, je le sais! Je vais le dire à maman. Maman, c'est ton enfant préféré. Il faut que tu viennes tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Oups, on est grillé! Ma sauveuse, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Coucou mon poussin. Quelque chose ne va pas? Vas-y maman. Maman? Sur la gauche! Oui, je l'ai eu! Oh non, maman! Pas toi! Je n'y comprends plus rien, là! Je veux dire... Ashley! Oui, je préfère ça! Pas de jeux vidéo en classe! En retenue! Nananère! Oh! Non, pas ça! C'est incroyable! Hein? C'est 1000 fois mieux que les équations! Je peux vous aider? Je n'ai absolument aucun bonbon, je peux entrer? C'est quoi ça? Vous savez que la nourriture et les boissons sont interdites. Vous n'essayez pas de faire entrer des bonbons en douce, n'est-ce pas? Oh, comment vous avez deviné? Je pensais que ça allait marcher! Elle est trop forte! Salut les filles! Ça va pas? On n'arrive pas à passer la sécurité avec nos bonbons! C'est vrai? Je suis responsable de ces salles! Vous m'entendez, sale petit morveux?
Elle prend ça vraiment trop au sérieux. Mais j'ai un plan. Je vous ai à l'œil. Waouh, une minute. C'est vous? J'ai tellement entendu parler de vous. Je n'arrive pas à croire que je suis à côté d'une légende. Hein? À qui est-ce que tu parles? À moi? Vraiment? À qui d'autre est-ce que je pourrais m'adresser? Waouh! Arrête, tu te moques de moi. Non, pas du tout, regarde, je vais le prouver. Hé, doucement! Waouh, Ashley n'a pas froid aux yeux. C'est moi? Oh là là, je ne sais pas quoi dire. Je suis flattée. Je veux dire, je n'ai jamais eu de fan club. C'est trop bizarre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu peux avoir un autographe? Tu es sûre? J'imagine que oui. Je ne voudrais pas te décevoir. Waouh, je ne m'en séparerai jamais. On peut prendre une photo? Je ne suis pas maquillée, mais c'est d'accord. Oui, Titi, c'est bon? Parfait. Psst, psst, allez-y. C'est un génie. Vite, allez. Chut, ne faites pas de bruit. Baissez-vous. On y est presque. Oh, on a réussi. Je vais me régaler. C'est grâce à Ashley. Merci beaucoup, vous avez refait mon année. Salut. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une surprise pour toi. On peut passer la journée ensemble à faire le ménage. Pense à toutes ces histoires que tu pourras raconter. Ça, c'est mon plumeau. C'est mon préféré. Hein? Ah, j'ai bien dormi. J'avais presque oublié. On va bientôt avoir un contrôle de maths. Il ne faut pas que j'oublie. Je vais mettre ça dans mon casier. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Oh, il faut que je fasse mes devoirs. Bon, on verra ça plus tard. En plus, elle portait la même robe que moi. Non, mais tu te rends compte? Sérieusement? C'était tellement gênant. Bon, évidemment, elle m'allait mieux à moi. Mais quand même. Attends deux secondes. Il faut que j'écrive un truc. Sinon, je vais oublier. J'ai tellement de choses en tête en ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Waouh, tu rédiges beaucoup de notes. Oh, je viens de me souvenir. Il faut que j'achète des stylos. J'adore passer du temps avec toi, Mindy. Oh tiens, ça me fait penser. Il faut que j'appelle ma mère. Je crois que c'est bon. T'es sérieuse, là? Je suis pas un bureau. Oh. En revanche, ce cadre me donne une idée. Ne bouge pas, je reviens. Si tu as du mal à être organisée, cette astuce devrait t'aider. Prends un cadre photo et enlève le fond de la photo. Remplace-la par un calendrier. Retourne le cadre et voilà. Comme ça, tu peux voir toutes tes tâches pour le mois. Hé, Mindy, regarde ce que j'ai pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier. Tu peux écrire tes tâches à faire directement sur la vitre. Regarde, ce jour-là, tu as un contrôle de maths, par exemple. Waouh, c'est génial! Merci, Gabi. Oh, attends. Voilà, c'est parfait. Sérieusement? J'abandonne. Ce jeu est génial. Oh, Gabi, qu'est-ce qu'elle est belle. Et si je lui préparais quelque chose? Ah, je sais. Oh, un appel. Allô? Bonjour, je voudrais commander des fleurs pour ma copine. D'accord, mais lesquelles? Des roses? Pas de soucis. Et voilà, c'est prêt. C'est parti. Oh, c'est très intéressant. Bonjour, c'est vous, Gabi? Oui, c'est pourquoi? Ces fleurs sont pour vous. Waouh! Passez une bonne journée. Oh, il y a un mot. Oh, c'est trop mignon. Il est vraiment adorable. J'ai beaucoup de chance. Ces roses sont magnifiques. L'école, ça craint. Carrément, mec. Hé, regarde un peu ça. Et si on allait l'embêter? Hé! L'intello, quoi de neuf? Sympa tes fleurs. Ouais, c'est vrai. En plus, elles sentent super bon. Je plaisantais. Je déteste les fleurs. Oh, oui, je le savais. Hé, une fleur rose, elle est belle. Je veux dire, ça craint. Ça ferait une superbe boutonnière. C'est ton petit copain qui te les a envoyées. C'est pathétique. Ouais, pathétique. Oh non, on dirait que Gabi a des problèmes. Hé, vous deux, laissez-la tranquille. Hein? Regarde, encore un intello. Rendez-lui ses fleurs. Sympa ton pyjama. Non, sérieux, il a l'air vraiment confortable. Je vous aurais prévenu. Hé, doucement mec. C'était juste pour s'amuser. Chris, vite, il faut que je file. Oh, tu crois ça? Vas-y mon lapin. Ah, je déteste ça. C'est toujours pareil. Personne ne fera de mal à Gabi. Est-ce que tout va bien? Oui, merci beaucoup.
Allons-y. Nananer. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sens beaucoup plus détendue depuis que j'ai ce journal. Mince! Je vais être en retard en classe. Il faut que je me dépêche. Aïe! Fais attention! Désolée. Regarde un peu où tu mets les pieds. Je suis un peu maladroite. Ce n'est rien. Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi? Ouf, j'y suis. Eh bien, c'était moins une. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes prêts pour l'évaluation? Je vous préviens, elle est corsée. Oh mince, j'ai complètement oublié. Pourquoi est-ce que je m'inquiète? Je n'ai qu'à me servir de mon journal. Je suis sûre d'avoir tout juste. Il suffit que je demande les réponses à mon journal. Avec ça, plus besoin de réviser. Oui, ça fonctionne. Hein? Où est-ce qu'elles sont passées? Oui, j'attends. C'est quoi ça? Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que... Oh, c'est de la triche! C'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave, je vais retenter le coup. Allez, petit journal, pas de mauvaise plaisanterie cette fois-ci. Jusque-là, tout va bien. Toujours pas de réponse. Il est peut-être cassé. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons voir. Fais comme si de rien n'était. Mais ce sont les réponses. Quelqu'un est en train de tricher. Reste calme. Je vous ai à l'œil, je vous préviens. C'est pas juste. Je peux peut-être arriver à copier les réponses. L'écriture de Mindy est illisible. Quelle poisse. Salut, je peux t'aider? Non, ça va, merci. Je ne vous ai pas vu. Je suis extrêmement déçue, Luna. Je n'ai pas d'autre choix que de te mettre une mauvaise note. J'espère que tu en tireras une leçon. Ah, vous croyez? C'est ce qu'on va voir. Je n'ai qu'à écrire la note que je veux dans mon journal. Et hop, je vais transformer ce F en A. Je le mérite bien. Ouh, c'est parti. Où est passé mon A? C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Regarde, j'ai eu un A. C'est incroyable, non? Je suis trop forte. Fichu journal. Hein? C'est quoi ça? C'est pas mon journal. Hein? Mais qu'est-ce que... L'intello dans le couloir en avait un aussi. On a dû les intervertir. Ils se ressemblaient beaucoup. Alors si c'est moi qui ai son journal, ça veut dire que... C'est elle qui a le journal magique. Et moi, je me retrouve avec cette croûte. Oh non, ce n'est pas possible. Oh, quelle galère. Vous diriez bien que la chance a tourné. Il est temps. Waouh, c'est vraiment génial. Alors, quel souhait je vais formuler ensuite? Nouvelle. On va faire la fête. Oh, trop bien. Ça faisait longtemps. Waouh, j'ai trop hâte. Ça va être génial. Apparemment, ils invitent n'importe qui. Je ferais mieux de me préparer, mais j'ai besoin de maquillage. J'ai une idée. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser du ketchup. Et je vais me servir de ce plateau comme d'un miroir. Cette couleur me va bien. C'est joli et c'est super bon. Oh non! J'ai plein de boutons. Je ne peux pas sortir comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux les frotter avec cette éponge. J'espère que ça va marcher. Ouille! Oh! Ça ne fonctionne pas! Oh! Ma peau ne ressemble à rien. De la farine! Je vais m'en servir pour les recouvrir. Je vais simplement en tapoter un peu sur mon visage. Ça couvrira toutes les imperfections. Ça devrait aller. De quoi j'ai l'air? Oh non! On dirait le Père Noël! Je ne peux pas aller à la soirée comme ça! C'est fichu! Oh, mon café est froid! Et si je m'en faisais un masque pour le visage? Ça vaut le coup d'essayer! Voilà, c'est posé! Il ne me reste plus qu'à attendre. Ma peau est superbe! Allons-y! Pas si fort! Ça suffit! Vous ne savez pas faire votre travail! Pardon, madame! Mon masque pour le visage! Tout de suite, madame! Prête? Être belle est un job à plein temps! Ma peau est rayonnante. Waouh, c'est éblouissant.
Tenez, votre robe. Oh, qu'elle est belle! Est-ce que quelqu'un a allumé la lumière? Tout le monde me regarde! Quelqu'un casse l'ambiance, je m'en occupe. Madame, veuillez me suivre. Lâchez-moi! Ouf, on y voit enfin! Hein? Ça en fait des ballons. Ok, réfléchissons. Oh, une autre cassette. Je devrais la visionner. Je vais découvrir ce que Mommy Longlegs a prévu. Coucou, Jasmine. Fais coïncider les ballons et la lumière. Et ensuite... Pop! Oh non! Il faut que je fasse vite! Une lumière rouge, un ballon rouge. Je vais commencer de ce côté. Tu sais, c'est assez relaxant. Et j'en ai vraiment besoin en ce moment. Je commence à aimer ça. C'est tout pour les ballons rouges. Ouf! Attends une minute. J'ai besoin des ballons verts aussi? Ok, c'est parti! Ah! Une araignée! Il faut que je continue. C'est le dernier. Trop facile. Bleu, je m'en occupe. Propose-moi un vrai défi la prochaine fois. Ah! Quoi? C'est méchant. Bon, je dois continuer. Oui, j'ai réussi. Je vais prendre ça. On va peut-être pouvoir sortir. Ce n'était pas si mal. Hein? D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il faut que je l'éclate? Oh! Je déteste les ballons. Après toi. Quel gentleman. Waouh, je n'en reviens pas. J'ai passé une super journée. Non, je n'en crois pas mes yeux. Justin, Justin, tu pourrais me signer un autographe? Une seconde, mon poussin. Voilà les filles. Je suis ta plus grande fan. Oh là là. Voilà vos évaluations. Bien joué, Justin. Tu es prêt? 1, 2, 3, go! Waouh! Regarde ça! Oh, j'ai échoué! Vraiment échoué! Ce n'est qu'une petite note, poussin, ne t'en fais pas! Oh, hé, y a quelqu'un? Hein? Ah, désolée, souris! C'est absolument incroyable! N'oublie pas de prendre mon meilleur profil! Et voilà! Oh, merci! Waouh, on est super beau! Merci, Justin! Pas de quoi, j'adore rencontrer de nouvelles fans! À plus! Est-ce que tu flirtais avec elle? Oh, je sais! Il est temps de faire quelques expériences. Je pourrais peut-être devenir un super-héros, moi aussi. Bon, par où on commence? Oh, une grenouille! Salut, toi! Non, trop gluant! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est quoi ça? Oh, une araignée! Elle est énorme! Marc, non, trop dégueu! Il doit bien y avoir quelque chose! Oh, un serpent! Ça va aller, je peux le faire! Ah! C'est parti! Allez, mords-moi! Super, un serpent végétarien! Comment je fais maintenant? Oh, de la potion magique! Waouh, il y en a de toutes les couleurs! Oh, difficile de faire un choix! Oh, un chat! Ça pourrait faire l'affaire! Ok, je vais essayer celle-ci! Santé! Gabi? Oh non! Burk, c'est immonde! Ah bien, il ne reste plus qu'à attendre! C'est quoi ça? Oh, une boule de poils! Oh, c'est dégueulasse! Qu'est-ce que tu as fait? Oh, salut mon lapin! Tu n'as pas besoin de ça! Allez, viens, sortons d'ici! Mais je veux avoir des super pouvoirs! Assieds-toi! Non, mais à quoi tu pensais? Moi aussi, je veux avoir des super pouvoirs et devenir populaire! Attends, j'ai une idée! Tout ce dont tu as besoin, c'est ça! Quoi? Fais-moi confiance! Oh, je vois! C'est amusant! J'ai presque terminé! Regarde! Je vole! Jette un œil, Justin! C'est comme si j'avais des super pouvoirs! Oh, tiens, regarde ça! Waouh! Je suis en train de devenir populaire! Les gens m'adorent! Pas autant que moi! Non! Elles sont un peu trop jaunes! Ouh, celles-ci ne sont pas mal! Finalement! Non! Tous les jours, c'est la même chose! Ah, je sais! C'est votre couleur préférée! Non!
Pourquoi est-ce si difficile de trouver une belle paire de chaussures? Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse mettre. Oh, il n'y a rien du tout. Tout est si terne. Hé, hey, salut! Je veux ces chaussures. Celle-là? Tout là-haut? Allez, montez! Je crois que je suis trop petite. Je reviens. Excusez-moi! Hé, hey, doucement! Je vous les donne tout de suite. Oh, oh! Excellent choix, madame! Elles sont splendides! Je les adore! Au revoir! Wow! Plus que mes chaussures et je suis prête! Les voilà! C'est la seule paire que j'ai, mais je les adore! Oh! Non! Aïe! Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh non! Elles sont cassées! Oh non, c'est vraiment la poisse! Qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Je ne suis pas sûre que les bottes fassent bon effet. Grand-mère s'est endormie. Et elle a de très jolies chaussures. Je pourrais les lui emprunter. Chut, il ne faut pas la réveiller. Je les ai! Je suis plutôt efficace comme voleuse. J'ai hâte de les essayer. Oh, elles sont trop grandes. Je dois pouvoir faire quelque chose. Oh, attendez. J'ai une idée. Je vais me servir de mon ruban à cheveux. Tes chaussures sont trop petites? Pas de panique. Pour commencer, applique un petit point de colle à l'intérieur de la chaussure. Prends un ruban dont la couleur va avec celle de tes chaussures. Place l'extrémité du ruban sur le point de colle. Voilà, des chaussures stylées qui tireront à merveille. Waouh! J'adore mes nouvelles chaussures! Bon, c'est vrai que techniquement, ce sont celles de grand-mère. Mais personne ne le sait. Doucement. J'y suis presque. Pas facile, hein? Hé! Hey, reviens ici! Ça te dirait qu'on sorte ensemble? Avec plaisir! Quoi? À bientôt! Je n'arrive pas à croire que David puisse me faire ça! Oh! C'est fini entre nous! Je vais donner une bonne leçon à Eva! Elle se croit parfaite! Comment est-ce que je vais m'y prendre? Ah, je sais! Un bon vieux classique! Il n'y a que ça de vrai! Je vais placer la corde en travers de la porte. Et l'attacher à cette plante. Ah, c'est ça que je cherchais. On va bien se marrer. Ça va être spectaculaire. Je devrais filmer ça. Coucou Eva, comment ça va ma chérie? Oh, c'est un livre très intéressant. Oui, il y a plein de choses intéressantes. Tu veux voir? Regarde juste là. Waouh! Allez! J'ai été super étonnée d'apprendre ça. Après toi! La voilà! Oh non, pas ça! Non! Oh! Oh non! Je vais avoir de gros ennuis! Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler! C'est de la faute d'Eva! Je ne te ferai jamais un truc comme ça, maman! Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout! Ce n'est pas moi! Je suis très en colère! Je peux tout expliquer! Je t'aime, maman! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, allez! Gabi? Ah, Justin, te voilà! Tiens, c'est pour toi! Oh, ce sont mes fleurs préférées! Merci! Oui, je sais! Oh, il est mignon! Salut, toi! Oh, salut! Appelle-moi! Ma mère m'avait prévenue à propos des filles comme toi! Oh, ça va! Pas la peine de te mettre dans un état pareil! Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Oh, tu es déjà rentrée? Je n'ai vraiment pas envie d'en parler! Oh, mon poussin, viens par là! C'est tellement injuste! Tiens, bois ça! Tu verras, un jour la roue va tourner! Qu'est-ce qu'il est susceptible? Oh non! Alors, ce rencard? Bah, pas terrible. Tant pis. Laisse tomber. Vous avez raison. Tiens, prends un truc à boire. Ouais, il faut que je me détende.
T'inquiète, on va se faire une soirée entre filles et tu vas oublier tout ça. Oh, j'adore ce jeu. Attention sur ta gauche. Hé, t'es douée. C'est plutôt cool, hein? On s'occupe comme on peut. Gabi, je peux savoir ce que tu fais? Donne-moi ça. C'est juste un livre? Qu'est-ce que... Bon, sois plus attentive, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Jasmine! Je vais bien, du calme. Ouf, quel soulagement. Qu'est-ce que je suis censée faire? Oh, un mini Huggy Wuggy. Mais ça ne m'aide pas. Coucou, comment on se retrouve? Oh, je sais faire du karaté. Que tu es drôle. Tu me fais rire. Ah oui? N'approche pas ou sinon, pan! Du calme, je veux juste m'amuser. Tu vois, ce n'est qu'un petit jeu innocent. Mais tu ne dois pas faire s'effondrer la tour. Je commence. Je l'ai. Maintenant, je vais le mettre par-dessus. À toi. C'est tellement angoissant. Je suis pas très bon sous pression. Je vais essayer celui-là. Attends, non. Tu es à moi maintenant. Je ne peux pas laisser faire ça. Je peux pas jouer. Je crois que je suis malade. Bon, eh bien voilà, j'imagine que je ne vais pas jouer. Quel dommage. Bien essayé. Choisis un bon bout, sinon... Bon, d'accord, c'est vrai que dit comme ça... Allez. J'espère qu'elle ne voit pas à quel point je suis nerveux. Un mouvement rapide. N'aie pas peur. Il fait chaud ici, non? C'est pas vrai, j'ai réussi. Je suis trop fort. Je ne m'attendais pas à ça. Que la partie commence. Allez-moi, allez-moi. Personne n'aime les frimeurs. Je suis sûre que je peux le faire. Je ne peux pas perdre face à lui. Je suis imbattable à ce jeu. Je vais te démolir, comme cette tour. Ah, tu crois? Elle semble si confiante. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ça me donne une idée. J'aurais bien besoin d'aide. Ahem. Quoi? Non! Tu as perdu! Quoi? Wow! Je suis redevenue moi-même! C'est génial! Ça suffit! J'ai dit que je n'aimais pas les tricheurs! Comment elle fait ça? Et d'où ça vient, ça? Wow! Regarde ce bazar! Cette fois, je crois que tout est prêt. La fête va enfin pouvoir commencer. Oh, ces myrtilles ont l'air bonnes! Il ne manque plus que mes invités. Je vais leur envoyer un message. Salut tout le monde! Vous venez à la fête d'Halloween chez moi ce soir? Vous ne voudriez pas manquer ça? Ça va être génial! Allez, venez vite! Bien, il ne me reste plus qu'à attendre. Hé les gars, vous avez vu ça? Drôle de buffet pour une fête! Ça a l'air trop naze! Oh, vous connaissez pas la dernière? Je suis sûre qu'ils vont bientôt arriver! C'est l'affaire de quelques minutes! Où est-ce qu'ils sont tous? Ils commencent à se faire tard? Oh, c'est vraiment pas juste! Je voulais juste passer une bonne soirée! Hein? Huggy Wuggy, est-ce que tu viens de grandir? Et t'es vivant en plus? Ça roule! Waouh, c'est génial! Bon, c'est la fête ici ou quoi? Pas vraiment, tout est prêt mais personne n'est venu. C'est vraiment trop nul. Ouais, c'est pas très marrant, je te le concède. C'est clair, je pense que je ferais mieux d'aller me coucher. Attends, il y a peut-être une solution. Oh, ce sont des myrtilles. J'adore les myrtilles. Tu permets, je me sers, hein? On en trouve rarement, hein? Oh, ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ashley, je sais comment on va sauver la soirée. On va avoir besoin de ces myrtilles. De quoi est-ce que tu parles? Oh, je crois que j'ai compris. On va fabriquer des yeux. Prends un bol de myrtilles et un bol de litchi. Dépose un peu de sirop de fraise sur le litchi. Comme ça. Puis mets une myrtille à l'intérieur. C'est génial, non? Enfin, utilise un cure-dent pour le maintenir en place. C'est parfait pour décorer les verres. Oh, c'est vraiment dégueu. Merci, Huggy Wuggy. Huggy? Ça ne fait rien. Moi, je sais que tu es vivant. Bon, je vais retenter le coup. Coucou les amis, regardez mes jolis verres. Il y a plein de boissons gore qui vous attendent. Venez vite voir ça. Waouh! C'est trop cool. Venez, on y va direct. Ouais, grave.
Je vous ai à l'œil. Oh, vous êtes venus? Waouh, ils sont vraiment cool, tes verres. Merci. Ça fait du bien. Et ses yeux sont absolument délicieux. J'adore ça. On devrait prendre une photo tous ensemble. Joyeux Halloween! Comme ça, je pourrai voir ma jolie petite famille tous les jours. Je vais le poser juste là. J'ai tellement de chance. Regarde-les, ils sont absolument parfaits. Bon, il est temps de se remettre au travail. Qui est-ce que je vais envoyer en retenue aujourd'hui? Oh, parfait. Bonjour, maman. Ça roule? Comment vont mes adorables petits? Maman, j'ai eu 10 sur 10 à mon contrôle. Excellent, mon lapin. Je suis tellement fière de toi. Je sais, maman. C'est grâce à toi que je suis aussi douée. Viens par là. Félicitations! Je vais te donner une récompense. Tiens, tu l'as bien mérité. Merci, maman. Continue de bien travailler. Et toi, Ashley, tout va bien? Hé, pourquoi est-ce que je n'ai pas d'argent, moi? Très bien, montre-moi tes notes d'abord. Je ne vois pas le rapport, mais ok. T'es contente? Quoi? 3 sur 10? Non, mais tu y crois? Oh, je suis choquée et très déçue. Tout le monde s'en fiche, là, Télo. Eh bien, jeune fille, pas de récompense pour toi. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Je m'en vais. C'est tellement injuste. En plus, je suis complètement fauchée. Bon, au moins, l'eau est gratuite. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Allez, marche! Oh, cette journée est naze! Quoi? Il est déjà fini? Oh, ça me donne une idée! Je crois que je vais ouvrir un commerce! Et voilà! Ravie de faire affaire avec toi! À qui le tour? Waouh! Pourquoi est-ce que je ne suis pas étonnée? Il faut que ça cesse! Et en même temps, pourquoi ne pas s'amuser un peu? Je vais mettre quelques pastilles dans le soda. Merci. Un soda pour la demoiselle. Qu'est-ce que... Oh non! Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Maman, au secours! Hé, les gars, revenez! J'aurais dû m'en douter. Je pense qu'on va avoir une petite discussion. File en retenue. Hein? Et si... C'est l'occasion rêvée! Si je ne tente pas le coup, je vais le regretter! Une minute! Où est-ce que tu crois aller? C'est pas mon casier! Viens par là! Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne me souviens plus! Pas de nourriture, ni de boisson! Je n'ai rien du tout! Regardez! Je n'ai ni nourriture, ni boisson! Je ne te crois pas! Quoi? C'est pas ce que vous croyez! J'en étais sûre! Est-ce que tu caches d'autres choses? Hé! Arrêtez! Je vais vomir! Donne-moi tous tes bonbons! C'est tout ce que j'ai, je le jure! Elle est folle! Si on veut faire passer des bonbons, il va falloir qu'on soit malin. Attends voir. Je crois que j'ai une idée! Je suis sûre que ça va marcher. Il est temps de changer de coiffure. Je vais commencer par attacher mes cheveux en chignon. Mais je fais une petite boucle. Et je les tire un peu. C'est parfait pour y cacher des sucettes. Je vais les coincer dans mon chouchou. Je fais la même chose de l'autre côté. Je dois m'assurer que personne ne peut les voir. C'est bon, je suis prête. Oh là, une petite seconde. J'ai compris la leçon, pas de bonbons. Ouais, ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Vous me croyez maintenant? Je vais regarder de plus près. Peut-être que tu dis la vérité. Vous êtes contente? Pas vraiment, mais ça m'a l'air bon. Merci, à plus tard. Ça a fonctionné à merveille. Je vais me régaler. C'est trop bon. Oh, je peux en avoir une? Bien sûr, ne bouge pas. Waouh, t'es la meilleure. Miam, délicieux. Le cours est enfin fini. Hein? Qu'est-ce qu'il fait, Justin? Attends, Lily, je vais le faire pour toi. Oh, merci, Justin. Ouh, c'est mesquin. Avec ça, c'est un A assuré. Je vais les prendre, Sunny. Tu vas te faire mal. Tu vas par là.
Il est corrompu pour gagner des voix. Et ça fonctionne? Je n'y crois pas. C'est mauvais pour moi. Je crois qu'il faut que je prenne ça plus au sérieux. Je dois réfléchir à une nouvelle approche. Et je crois que j'ai trouvé. Heureusement que je suis préparée. J'ai l'impression que je vais avoir plein de voix. C'est sûr que je vais gagner. Justin va devoir courir pour me rattraper. Hein? Depuis quand est-ce qu'il y a une alarme ici? Stop! On vous emmène avec nous. Non, ce n'est pas possible. Il me faut un autre plan. Je dois bien pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle fait, Wendy? Oh, mon ongle! Aïe! Je peux peut-être profiter de cette situation. C'est l'heure de passer pour la sauveuse. Je peux m'asseoir ici? Si tu veux. Tu as besoin d'aide? Tu penses pouvoir ouvrir ma bouteille? Je t'en prie. T'inquiète, je gère. Pas de problème, prends ton temps. Une petite minute. Je crois savoir comment gérer ce souci. Regarde un peu. Je vais enrouler mon lacet autour de la bouteille. Je tire, et voilà, la bouteille est ouverte. Waouh, c'est incroyable! Oh là là, tu es une génie! Si je suis élue, aucune bouteille de soda ne restera fermée. Je vais voter pour toi! Hé, les filles, venez voir! Ashley a une astuce stylée pour ouvrir les bouteilles. Montre-leur! Tiens, ouvre la mienne! Ok, les filles, c'est bien parce que c'est vous. Qu'est-ce que... Mais elles allaient voter pour moi! Plus maintenant! Je l'ai sous-estimée. Très captivant. Ah, je commence à être fatiguée. Je vais me mettre à l'aise. J'ai vraiment du mal à garder les yeux ouverts. Allez, encore une page. Miam! Un buffet à volonté. Ça tombe bien, j'ai un petit creux. Miam, miam! Regardez-moi ce festin. Je vais assaisonner un peu. L'humain, c'est fade, je trouve. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oups, je crois que je vais manger sur le pouce. Il m'a mordu? Oh non! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il se passe? Je me sens bizarre. Oh non! Je me suis transformée en zombie. Et en plus, j'ai faim. Il faut que je trouve quelque chose à manger. Miam! De la cervelle, c'est délicieux. Je suis le zombie le plus heureux du monde. Il n'y a pas beaucoup de matière grise, par contre. C'est sûrement la cervelle de Jake. Waouh! Ce serait génial! Il faut que je trouve de quoi manger. Il doit bien y avoir quelques cerveaux qui traînent par ici. Hé, Mindy! Regarde, j'ai trouvé d'autres décorations d'Halloween. Mindy! Tu veux bien me donner un coup de main? Des cervelles? Miam! J'espère qu'elles sont fraîches. Oui, j'arrive tout de suite. Tu es ma meilleure amie. Miam! Ah! Un zombie! Il faut que je sorte d'ici! C'est toi qui as fermé la porte! Laisse tomber! De la cervelle! La délicieuse cervelle humaine! Je te préviens, ne t'approche pas! Ce carton est bourré d'ail et je n'hésiterai pas à m'en servir! Quoi? De l'ail? Oh non! Hein? Je pensais pas que ça marcherait pour de vrai, ce truc! Enfin bref! Je t'ai bien eu! Évidemment que c'est bidon! Mais je vais pouvoir m'en servir pour assaisonner mon plat! Allez, maintenant, donne-moi un peu de ta matière grise! Non, je ne peux pas te laisser faire ça! Il faut que je trouve autre chose! Oh, je crois que ça pourrait marcher! Coucou, regarde ce que j'ai là! Oh! Cervelle! Aïe! Je crois que je me suis cassé une dent! Mon dentiste va me tuer! C'est pas grave, je peux toujours aspirer la tienne avec une paille! Non, je t'en supplie! Je ne sais pas gérer les situations stressantes! Il faut que je trouve... Un chou-fleur? Est-ce qu'il y a des zombies véganes? Oh! J'ai une idée! Attends, je veux voir ça moi aussi! Découpe les chou-fleurs en bouquets et place-les dans un bocal en verre, puis prends une carafe d'eau et ajoute-y du colorant alimentaire rouge. Mélange bien, ça a l'air pas mal. Ensuite, verse le contenu de la carafe dans le bocal. Recouvre complètement les bouquets de chou-fleurs, exactement comme ça. Tu peux même ajouter une étiquette. J'espère que ça va plaire à Mindy. Mindy, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, un bocal plein de cerveaux. Oh, qu'est-ce qu'ils ont l'air bons. Tiens, prends-les, c'est pour toi. Oh, j'espère que ça va fonctionner. Miam, mon plat préféré. Merci. Oh, ça croustille. Ça a marché, vite, il faut sortir d'ici. Hé, Ashley, tu me donneras ta recette de cervelle, hein? Qu'est-ce que... Où suis-je? Ashley, c'est toi? Je ne suis pas un zombie. Non, en effet. Tu veux bien m'aider à mettre ces décos?
Oh, j'ai dû faire un cauchemar. Très bien, allons-y. Oh, attends, il faut que je te montre un truc. Regarde, c'est un bocal à cervelle. Je l'ai fait moi-même. Waouh, c'est super. Enfin, si on aime ce genre de choses. Je vais les mettre juste ici. Ce rêve était vraiment trop bizarre. J'espère que Jasmine va bien. Jasmine, t'es de retour. Waouh, regarde ce que j'ai. Cool, bien joué. Hé, hey, tu es de nouveau toi? Oui, c'est génial. Oh non, la revoilà. Oh, que c'est mignon. Mais ce n'est pas terminé. Je savais qu'elle dirait ça. Wow, regarde, on a eu un examen. Oh mince, j'ai complètement oublié de réviser. Je vais me planter en beauté. Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Fais comme si de rien n'était. Hé, hey, c'est un téléphone? Non, j'appelais ma mère. Les téléphones sont interdits. Bon, d'accord. J'adore être prof. Il faut que je trouve un nouveau plan. Aïe, je me suis mordu le doigt. Ça fait mal. Heureusement, j'ai un pansement. Attends, ça me donne une idée. Je vais peut-être y arriver, finalement. C'est un examen difficile. Oui, je vais avoir un A. Hé, hey, tu connais les réponses? Oui, bien sûr. Regarde ça. J'ai une anti-sèche sous mon pansement. Même pas besoin de chercher. C'est tellement facile quand on triche. Oh, bonne idée. Moi aussi, j'ai un pansement. Je vais le mettre. C'est plutôt malin, hein? Encore un et ça devrait le faire. Oh, t'es censé faire ça discrètement. Hé, hey, ça marche. Hé, hey, retire-moi ce pansement. Un pansement? Quel pansement? Je sais ce que t'es en train de faire. Enlève-moi ça. Je savais que ça marcherait pas. Psst, Chris! Tiens, les réponses. T'es le meilleur. Fais vite. C'est bon? Attends, il se passe un truc. Wow, j'ai eu un A+. C'est incroyable. Jasmine, regarde. Oh, j'ai une note moi aussi. Hein? Non, non, pas un F-. Non, pitié. C'est bien mérité, Jasmine. Attends. Oui, c'est un A+. Oh, j'ai eu peur. Vous vous en sortez mieux que ce que je pensais. C'est super. Peut-être qu'on va pouvoir ouvrir la porte. Pas si vite. Oh oh, elle a l'air en colère. Allons-y. Concentrez-vous tous, c'est important. Hé, les gars. Quoi? Regardez ce que j'ai. Ça a l'air trop bon. Je vous l'échange contre un vote. Ouais, ouais, vas-y, donne. Hein? Justin, pas de nourriture en cours. Pardon, madame, ça ne se reproduira pas. J'espère bien. Sinon, c'est une heure de colle. Tout ça pour des chewing-gums. C'est pas juste. Oh, génial, Ashley. Salut tout le monde. Encore une journée merveilleuse. Je suis toujours invaincue au ping-pong. Ça lui arrive de se taire. Attends, j'ai une idée. Je sais comment donner mes chewing-gums. Au travail. D'abord, je vais retirer la gomme de mon crayon. Ensuite, je prends un chewing-gum. Je vais en faire une petite boule. Et je vais la glisser dans le crayon. Je refais la même chose avec d'autres crayons. Ça fait parfaitement illusion. Avec ça, je vais gagner des votes à coup sûr. Oh, merci. C'est trop bon. Tiens. Merci. Un pour toi. Hein? C'était bizarre. Qui en veut? Oh, je sais. Qu'est-ce que... Qui a fait ça? Oh, un chewing-gum. Qu'est-ce qui se passe ici? Et voilà, les voix affluent. Oh non! Justin va repasser en tête. Tout le monde a un chewing-gum. C'était rusé, pas vrai? Il se croit super malin. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Attends! Je sais! Je sais quoi faire. Je peux me servir de la balle de ping-pong. Je vais faire un trou dedans avec un compas. C'est un bon début. Maintenant, je l'agrandis. Je vais m'aider d'un crayon. Je vais enfoncer la gomme dans la balle. Ensuite, je prends cette mousse à paillettes. Je vais dessiner un flamant rose. Heureusement que je ne suis pas mauvaise en dessin. Et c'est pas mal du tout. Je vais le découper. Je vais colorier le bout pour faire un bec.
et je dessine un œil. Maintenant, j'ai besoin de mon pistolet à colle. Je vais mettre un peu de colle au bout du flamant rose et je vais le coller à la balle. Bien sûr, il lui faut des plumes. Je vais ajouter de la colle sur la balle. Il va en falloir beaucoup. Et je peux coller mes plumes. Et voilà, un joli petit flamant rose. Ahem, Sunny. Waouh. Mais non. Oh, c'est pas vrai. C'est pas ça, Ashley. Jaloux, j'ai juste du talent. J'étais sûre que ça marcherait. Ça va me donner des voix. Dis donc, ça fait beaucoup de votes.